Salut à tous, aujourd'hui je débarque à nouveau ici en Normandie et allez, sortons des clichés, la Normandie c'est pas seulement des belles plages, du camembert et des jeeps du débarquement, c'est aussi une entreprise dynamique qui recrute et en pleine croissance, les laboratoires Gilbert qu'on a découvert ensemble à l'épisode précédent et aujourd'hui je vous emmène bosser avec Olivier à la découverte de son job, allez suivez-nous! Bonjour Olivier! Bonjour Géry, bienvenue. Merci. Collaborateur Gilbert. Tu vas bien? Bah très bien et toi? Bah ouais, écoute, je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Eh ben moi je suis ravi de te présenter mon métier de conducteur d'équipement de production secondaire. Mais avant tout, lavage des mains, habillement, sécurité. Tes horaires de travail, explique-moi un peu comment tu organises ta semaine. Alors moi, mes horaires de travail, c'est un peu particulier parce que je fais bien entre tes doigts, Géry. Ok, hein, ok. Surtout. Alors mes horaires de travail, c'est un peu particulier parce que je travaille en week-end. Vous êtes en 3-8 ici. Ici, on est aussi en 3-8, donc c'est une semaine 6-14, une semaine 14-22, une semaine 22-6. Ok, donc si je veux bosser en semaine, je peux, si je veux bosser le week-end. Exactement, tout est ouvert. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Prochaine étape, l'habillement. Donc il y a Charlotte, cache-barre pour moi, côte, chaussures, et quand on va rentrer, il faudra absolument se désinfecter les mains. C'est parti. C'est parti. Tu vois, Géry, là, on est sur une ligne de production d'unidose, okay. Un sérum physiologique. Là, c'est comme l'armoire frigorifique au supermarché. Exactement. Ah, bah, je vais prendre une petite glace, tiens. Voilà, sauf que là, on va faire du nettoyage. Ah bon, ok. Voilà. Mais toi, tu fais pas que du nettoyage dans ton job? Non, je fais de la conduite de ligne, du réglage, du changement de format, de la maintenance, mais aussi du contrôle en cours de production. Et tu m'as dit que tu étais conducteur, donc tu as des permis pour... Non, alors non, on n'a pas besoin de permis pour ça. On a juste besoin d'avoir au moins un bac pro BTS avec une formation interne de 6 mois. Okay. On va faire un nettoyage de tête d'impression. Vas-y. Tu vois ici, ouais. La tête d'impression est ici. Je tu passes mon ton doigt, doigt. Tu vas jusqu'au fond sans toucher, okay. Et tu reviens 2-3 fois vers toi. D'accord. Et secondaire, pourquoi? Il y a des primaires quelque part ou... Oui, il y a une salle primaire qui produit, par exemple, le sérum FI qu'on fait ici. D'accord. Et on a une salle secondaire, là où on est actuellement, qui le conditionne. Ok. Bon, là, c'est bien? Là, c'est bon géré. Ok. Super. Bon, c'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Par contre, je te laisse connaître la bobine. Ouais. Ça, je crois que je vais galérer. Allez hop, on ferme le capot. On ferme le capot. C'est parti. On remet en route. On réarme. Et on ferme l'armoire. Voilà, on prend le produit avant. Ah bah oui. Bien joué. Attends. Ah les gants, c'est chiant pour ça. Tiens, okay. Bon, ça va, ça te plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. Hein. C'est un vrai partage. Bah, c'est cool. Hein. Ouais, merci hein, de jouer le jeu. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce boulot? Ça fait 20 ans. 20 ans. Et sur 20 ans, j'ai fait 16 mois de conditionnement. Donc et je sais de quoi je parle. T'as rien foutu pendant tout le reste? Bah le reste, je me croise les doigts. Je suis coupé. Toi, tu travailles tout seul sur cette ligne? Non, je suis autonome, moi, sur mon poste, mais en fait, on travaille vraiment en équipe. Comme par exemple, là-bas, j'ai des collègues. Ok. On est toujours en équipe. Bon, là, on est en bout de ligne, si je comprends bien. Oui, on va faire un contrôle en cours de production. Je prends une boîte. Donc tu prends un étui et on va le contrôler. Donc tu regardes la boîte s'il n'y a pas de... De défaut. De défaut, okay. Exact. Bien collé. Voilà, bien collé. Je peux l'ouvrir? Tu peux l'ouvrir. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, tu vas regarder les étiquettes, si elles sont bien droites. D'accord. Et les inscriptions bien lisibles. Ok, c'est le cas. C'est ça vraiment qu'on fait toutes les heures. Toutes les heures? Toutes les heures. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job, toi? Ah, ce qui me plaît, qu'est-ce moi, te fait lever le matin? Ouais, surtout le week-end, quand tout le monde dort. Le challenge. C'est jamais routinier. On arrive, il y a tout le temps quelque chose à faire. Et chez Gilbert en particulier? Chez Gilbert en particulier, écoute, je vais te dire une chose, ils m'ont fait super confiance. Donc je me dois de leur rendre cette confiance, quoi. Confiance réciproque. Vous faites aussi de l'éosine, là, c'est oui, ça? Oui, on fait de l'éosine, on fait différents types de doses, différents types de formats, allant du 5 ml au 40 ml. Et les trois qualités qu'il me faut pour bosser avec toi? Alors, il faut de la motivation, du sérieux. Ça, j'en ai plein. Et surtout, un gros, gros mental d'équipe. C'est tout le monde, pas de problème. Jamais personne individuellement. Quel est ton parcours pour en arriver là aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, en arrivant ici, j'ai été conditionneur. Grâce à ma motivation, on m'a donné l'opportunité de passer conducteur d'équipement de production secondaire. Et avec une bonne formation, j'y suis arrivé. On t'a fait confiance? On m'a fait confiance. Okay. Et demain? Et demain, j'espère pouvoir évoluer vers un autre poste, pourquoi pas dans le primaire, avec beaucoup plus de charges techniques. Une sacrée dose de motivation. Une grosse dose de motivation. Ça, je t'en donne, mais on partage. Ouais, d'accord, merci Géry. Moi, je garde le reste de la boîte. Très bien. Top chef. Environnement propre, conditions de travail au top. Top chef. Bah, à ton avis, laboratoire Gilbert, bien sûr. Bac, avec une formation en interne, ça suffit. Ah, Formule 1, et on a des outils exceptionnels ici. Les deux.
Olivier, merci beaucoup pour la découverte de ton job et de ton quotidien ici. Écoute, c'est moi qui te remercie beaucoup, Géry. Bienvenue chez Gilbert. Merci. Et si vous aussi, vous avez le profil et l'envie de rejoindre l'équipe d'Olivier chez Gilbert, il y a de la place pour vous. Postulez et je suis sûr que vous avez tous quelque chose de Gilbert chez vous. Bienvenue chez Gilbert. Ouais, ouais, lui c'est l'artiste et nous on fait les guignols. Ouais, c'est ce qu'on sait faire du mieux. Exactement.